Alléluia. Oh, magnifique esprit de Jésus, tu es l'esprit du Père, tu es l'esprit du Seigneur Jésus, tu es l'esprit de la promesse, tu es le Seigneur de la moisson, tu es le bâtisseur de l'Église, et nous honorons ta présence au milieu de nous ce matin. Merci de ce que tu habites en nous, merci de ce que tu es avec nous. Viens étendre ta main, esprit de supplication, ça veut dire esprit de prière, esprit de grâce, esprit de résurrection, esprit de puissance, esprit de souveraineté, esprit d'amour, esprit d'humilité, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de bonté, esprit de bienveillance, esprit d'humilité, esprit de foi, esprit d'audace, esprit de hardiesse, esprit de ténacité, oh, esprit de crainte du Seigneur, esprit de joie, esprit de domination, esprit de souveraineté. Tu es la fin de la tyrannie du diable. Tu es le commencement et le rétablissement de l'ordre divin. La parole dit que nous avons tout pleinement en Christ, c'est-à-dire en toi, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Tu es l'esprit de Jésus et tu nous suffis totalement. Tu es notre avantage, tu es notre meilleur atout, tu es notre essentiel, notre différence. Tu es le couronnement de la mission de Jésus. La fin de la mission de Jésus, ce n'est pas la résurrection. Non, c'est lorsque tu as envoyé, Seigneur Jésus, l'Esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 2, la Bible dit, élevé à la droite du Père, en parlant de Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répondu. Et quand il a répondu l'Esprit, vous savez ce qu'il a fait? Jésus s'est assis. Il a dit, maintenant, c'est fini pour le diable. Aïe, 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 aïe. Tant qu'il avait envoyé l'Esprit, Jésus ne s'était pas assis. Il a libéré l'Esprit qui était en lui. Il a dit, si le grain de sénévé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt, alors il pourra porter beaucoup de fruits. Il l'a dit parce que il ne pouvait plus se contenter d'être au même endroit. Il fallait qu'il meure afin d'enfanter l'Église et de répandre l'Esprit qui était sur lui, de le relâcher maintenant en toi, 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 partout sur la surface de la terre, afin que le Christ soit désormais manifesté en plusieurs endroits sur la terre. Il est le couronnement de la mission de Jésus. Celui pour lequel Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Viens mettre ta main. Sur ce culte, viens mettre ta main sur la maison de mon frère et de ma soeur, quel que soit l'endroit où se trouve la personne connectée au son de ma voix. Viens mettre ta main dans ces églises connectées, dans ICC chez vous. Viens mettre ta main. Wow. Tu es le règne de Dieu. Tu es le rétablissement de l'ordre divin. Tu es la différence, notre avantage. Lorsque tu es dans la place, nous ne sommes plus désavantagés. Non, celui qui se sent désavantagé est en train d'être détruit par le manque de connaissance. Mais tu es l'esprit de vérité. Amène la connaissance de la vérité. Tu es l'esprit de délivrance, l'esprit de résurrection, l'esprit de vie, l'esprit de guérison. Tu es le chirurgien, le bâtisseur, le bienfaiteur. Tu es la personne de la dimension de Dieu qui est en charge des opérations divines en lien avec la terre. Le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Oh, je m'attends. Oh, je ne sais pas pour les autres. Il y a quelqu'un qui est venu par hasard seulement de manière religieuse. Mais il y a une autre personne qui a soif de te vivre, qui en a assez de subir, qui veut une année 2021
d'effervescence. Oh, que nos vies soient comme une fournaise ardente. Que notre homme intérieur soit embrasé comme jamais auparavant. 2020 est mort et enterré pour toujours. En 2021, emmène-nous. En 2021, entraîne-nous. Aujourd'hui, baptise de feu. Aujourd'hui, embrase. Aujourd'hui, rêve l'esprit de prière. Oh, magnifique. Je m'attends à toi pour une année de gloire manifestée au milieu des ténèbres. Je m'attends à voir les paroles accomplies. Je m'attends à voir les jougs détruits. Je m'attends à voir les fardeaux ôtés. Je m'attends à voir mon homme intérieur prendre feu. Je m'attends à marcher dans la domination toute cette année. En 2020, tu m'as préparé. Je m'attends à commencer à prendre mon envoi. Je m'attends au rétablissement de l'ordre divin. Je m'attends à écraser la tête des serpents. Je m'attends à écraser la tête des scorpions. Je m'attends à écraser tout adversaire. Je m'attends à ne jamais être éteint. Je m'attends à être allé de gloire en gloire. Mare sacata mantolosa. Oh, je m'attends. Je m'attends à voir ma lumière briller. Je m'attends à voir le soleil se lever. Je m'attends à voir l'éclat de cette lumière aller d'un éclat croissant jusqu'en plein midi au nom de Jésus. Je m'attends à monter progressivement. Je m'attends à ne plus jamais être ramené en arrière. Je m'attends à être déployé. Je m'attends à être intouchable. Je m'attends à être irrésistible. Je m'attends à être combattu mais à triompher. Je m'attends à être impossible à vaincre. Oh, magnifique. Oh, glorieux. Je m'attends à la guérison, à la confirmation de ton alliance. Je m'attends à voir le sang de la rédemption parler. Je m'attends à voir mon corps imprégné, conquis, dompté par les meurtrissures de Jésus. Je m'attends à être inarrêtable. Je m'attends à voir Jésus formé. Je m'attends à voir Jésus glorifié. Je m'attends à être un témoin de Christ. Je m'attends à être un miracle vivant. Je m'attends à être un prodige vivant. Je m'attends à être une merveille. Car tes œuvres sont merveilleuses. Et je suis ton ouvrage, l'ouvrage de ta main. Oh Saint-Esprit, je m'attends à être salé de feu ce matin, à être assaisonné de sel, à être rendu bouillant, fervent. Je m'attends à ce qui me combattait, à le voir, la nuque brisée, la tête écrasée. Je m'attends à la connaissance de la vérité, à cause de ton ministère. Esprit de vérité, je m'attends à être comme une fournaise ardente. Je m'attends à être comme un feu ambulant. Je m'attends à être jamais faible.
Je m'attends à monter en puissance. Je m'attends à croître en grâce. Ma corde sakatamaya. Je m'attends à voir la confirmation de chaque parole que tu as annoncée sur 2021. Je m'attends à voir le téléchargement de ton dépôt sur chaque main. Je m'attends à quitter la lamentation et habiter dans l'action de grâce. Je m'attends à entrer dans la contemplation du Seigneur et de ses œuvres. Je m'attends à être enivré de toi. Je m'attends à être consumé pour toi. Je m'attends à exceller en cette année. Je m'attends à être redimensionné. Je m'attends à des portes ouvertes sans précédent. Je m'attends à voir des verrous sauter. Je m'attends à voir des chaînes brisées. Je m'attends à la conversion de toute ma famille. Oh, oh Saint-Esprit. Oh, je m'attends à toi. Marasakatamarosia. Je m'attends à un niveau accru d'autorité. Je m'attends à l'effusion du Saint-Esprit. Je m'attends à te voir te répandre sur toute chair. Depuis ceux qui sont à la mamelle jusqu'au vieillard. Je m'attends à l'effusion. Je m'attends au déversement dans ma région, dans mon territoire, dans le pays où je suis. Je m'attends à voir du changement. Je m'attends à voir un remplacement qui va dans les hautes sphères d'influence. Je m'attends à ne plus subir. Je m'attends à voir les ténèbres dégagées de mon pays, dégagées de ma région, dégagées de là où tu m'as établi, et à voir ta gloire qui s'élève. Je m'attends à voir ta gloire apparaître sur mon pays, sur ma région, sur mon foyer, ma famille, mon héritage, ma destinée. Est-ce que tu t'attends? Si c'est ton cas, dis-lui Saint-Esprit. Oh, je m'attends. Oh, je m'attends. Je m'attends. Oh, je m'attends à être soulevé, à être transporté. Oh, magnifique. Je m'attends. Oh, je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Oh, magnifique. Oh, combien indispensable. Je m'attends. Oh, combien nécessaire. À toi. Oh, combien différence tu es. À toi. Oh, je te prie. Je m'attends à marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Je m'attends à marcher dans la réalité de l'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Je m'attends à être un témoin de Jésus-Christ. Pas un théoricien, mais un témoin. Pas un parleur, mais un démonstrateur. De ta tangibilité, de ta réalité. Afin qu'il soit reconnu et attesté que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'attends. Oh, magnifique. Have your way, we pray. Prends le contrôle et tends ta main. Père, relâche l'esprit. Je m'attends. Avec puissance et sans mesure. À toi. Nous avons annoncé de ta part que cette année est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu des ténèbres. Une telle prophétie exige un autre niveau d'embrasement de ton peuple. Fini les enfantillages, les gamineries. Réveille les soldats, réveille les géants, les tueurs de géants. Réveille les démolisseurs de forteresses. Réveille les franchisseurs de barrières. Réveille les impossibles à intimider. Oh, nos temples. Réveille l'église glorieuse.
Envoie dès lors ta parole. Encore aujourd'hui, envoie-la. Emmène-nous, s'il te plaît, à être des brasiers vivants. Nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi. Oh, à sortir d'ici soulevé, embrasé, à me déconnecter tout à l'heure. Il est un brasier vivant. On ne décrira comme un volcan en ébullition. Ça sera ton partage, ça sera ton expérience, ça sera ton témoignage en 2021. Non, pas d'instant de faiblesse. Tu iras en montant, tu iras en croissance, en feu exponentiel. Je m'attends oh.